Voilà donc la troisième vidéo, on va traiter le cas de la conductivité, l'évolution de la conductivité en fonction du temps. Toujours, même question, c'est du calcul à vitesse, 1 sur V total fois D de X sur DT. La même remarque, c'est que on ne peut pas calculer la vitesse à partir de cette relation parce que nous avons la conductivité, on a un X. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut transformer la fonction. Hein. Au lieu de x, ça se connaît sigma. Donc, on a une relation entre vitesse, conductivité, qui est sigma. Lié sigma. Et pour trouver la relation entre vitesse, conductivité, il faut trouver la relation entre vitesse, conductivité et avancement x. Donc, la conductivité, à la fois, elle dépend des ions. Les ions en solution. Combien d'ions il y a? Donc, il y a 3 ions. Il y a H au moins. Il y a CH3CO2 moins. Il y a deux bénis. Mais il y a un ion spectateur qui est avec H au moins. Il y a un A+. Qui est avec. Normalement, vous l'énoncez de l'exercice. Vous Donc, il a dit comme ça, l'exemple, c'est un national 2021. Vous trouvez bien une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na++ H au moins. Voilà. Voilà l'exemple. Na++ H au moins. Je coule les réagents. Hein, tu vois, à un instant choisi comme origine des dates. On introduit l'éthanoate d'éthyle, ou Heda. L'éthanoate d'éthyle, l'espèce Heda. Pardon. Voilà. Et on introduit avec H dans un ballon contenant une quantité de matière d'ion H au moins. D'ion hydroxyde. D'abord, on a la H au moins. Voilà qu'en réalité, la solution a fait Na+. Yani, si vous voulez travailler avec la conductivité, il faut tenir compte de l'ion spectateur, l'ion Na+. Donc, la conductivité par relation, c'est la somme de lambda I fois la concentration de Xi. Head le terme head pour chaque ion. Et puisqu'il y a 3 ions, H au moins, CH3CO2 moins ou Na+, donc head le terme il va se répéter 3 fois. Lambda H au moins fois la concentration de H au moins. Voilà. Allez. Lambda fois la concentration. Plus, là, on a la somme. Lambda CH3CO2 moins fois la concentration de CH3CO2 moins. Plus lambda Na+, la concentration de Na+. Cette concentration, c'est d'après le tableau d'avancement. Là, cette équation a dit, il faut écrire ou l'adresser le tableau d'avancement. Donc, c'est lambda H au moins, on dira rapidement. La concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Toujours rappeler la relation. Concentration, c'est N de X sur V. Donc, la concentration d'H au moins, c'est la quantité de matière d'H au moins sur le volume. C'est combien la quantité de matière d'H au moins? C'est N0 moins X. Donc, est-ce qu'on a N0 moins X sur le volume. Plus lambda CH3CO2 moins. Fois concentration d'H, c'est X sur le volume. Plus lambda Na+. Mais avec Na+, Na+ qu'elle m'a H au moins, il y a une de 9, la quantité de matière initiale. Il y a N0 sur. Fais attention, mais dis-le moins X. Quel est-il que la Na+, il est avec H au moins. Il y a N0 moins X, c'est-à-dire ce qu'on a N0 moins X. Non. Parce que H au moins, il a réagi. Donc, je donne N0 moins X. Ou alors qu'il y a Na+, n'est pas réagi. Spectateur, il y a une de 9, la quantité de matière initiale. Donc, lambda H au moins, on développe N0 sur V, moins lambda H au moins, fois X sur V, plus lambda CH3 CO2 moins, fois X sur V, plus lambda Na+, fois N0 sur V. Donc, là, qui est bien lié, bien la N0 sur V. N0 sur V. Ok, non.
x sur v, x sur v. Donc je peux factoriser, quelle est la factorisation? Je peux factoriser par n0 sur v, facteur lambda h au moins plus lambda na plus. Parce que n0 sur v, n0 sur v. Donc, moins, je peux factoriser par moins x sur v, facteur lambda h au moins. Il y en a x sur v multiplié par lambda h au moins. Qu'il y en a moins. Moins, il y en a x sur v multiplié par lambda CH3 sur O2 moins. Voilà. Donc, le survey, il y a un haja. نجيب هنا وتولينا 2 سور في اي فوالا ها هي لا كونديكتيفيتي سي جو رومبلاس انا نعطيكم لي دوني لي فالور جو في فو تروفي 0,25 موان اكس فوا 160 او بيان موان 160 اكس Voilà, si vous remplacez, vous remplacez V, N0, lambda, écoute, cherchez des données. Maintenant, on veut calculer la vitesse. Donc, je calcule la vitesse, je vais faire dx sur dt. Donc, je vais dire, je vais dire dx sur dt, dx sur dt. Je vais dire le dx sur dt, d sur dt. De quoi? Sigma est égal d sur dt. Dielèche 0,25 moins 160x. C'est-à-dire la dérivée de la décamme. D 0,25 sur dt. Moins la dérivée de 160x sur dt. La dérivée d'une constante, c'est alpha fois le mode, c'est 0, yani a dit 0. Bibkana moins 160 fois x. Et là, ça applique nous la propriété de l'ignobila. Il est qu'un droit de la constante, la fonction, vous dire la dérivée. On fait sortir la constante et on dérive la fonction. Yani 160, on dit le khaljoura, tu l'as dit moins 160 fois dx sur dt. Et voilà. Ou là, c'est un de maintenant. 10 sigma sur dt est égal à moins 160 dx sur dt. Là, on cherche quoi? On cherche dx sur dt. Yani, moins 160, quand j'y vois un l tchat, on va lire moins 1 sur 160 fois 10 sigma sur dt égale à dx sur dt. Et je remplace dans la vitesse. Tu as 1 sur volume total fois dx sur dt remplacé avec tu as moins 160 fois d sigma sur dt. Et voilà l'expression. L'expression qu'on a trouvée au nom national du 2021. Montrer cette relation. Montrer que la vitesse volumique de la réaction à un instant t s'écrit sous la forme. Voilà. C'est bon. Maintenant, on fait le calcul. Nous avons l'instant. On va prendre l'instant 4. Je pense, l'instant 4, on a le coefficient directeur et on a la tangente. Donc, V égale le volume, c'est 100. Ah ouais, le volume, c'est 100. Donc, 1 sur 100 millilitres. Dira litre 10 moins 3 ou là le mètre cube 10 moins 6 parce que 1 millilitre égale 10 moins 3 litres et 1 litre égale 10 moins 3 mètres cubes. Il y a 1 millilitre mètre cube c'est 10 moins 6 fois je prends deux valeurs 10 sigma sur dt donc il n'a pas dit. عندها 02 هنا خصني ناخذ كل بتي كارو شحال كيساوي دونك 001 002 003 004 005 دونك هنا 02 021 022
C'est 0,22. Il y en a quoi le petit carreau? 0,01. 0,22, je suis le temps, c'est 0. On a un autre point quelconque. On a un autre point. Sigma 0. C'est le plus facile. Les jours d'Ochra, le temps, on a 4. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça a dit. Donc, on a un carreau. On a 4, je fais un petit carreau. 1, 2, 3, 4 et 5. 5, il y en a 4 sur 5. Donc, on a 0,8. Il y en a 10, 16,8. Il y en a cool petit carreau 0,8. Alors, je vais te dire. Donc, nous avons le carreau, le grand carreau 4. Voilà qu'il grand carreau fait 5 divisions, 5 petits carreaux. Il y a 4 sur 5, il y a 0,8. Il y a chaque petit carreau 0,8. Donc il y en a 16. On dit dans le petit carreau, il y en a 16,8. Et je fais le calcul. La valeur est le mol. Ici en mètre cube, il y a mètre moins 3. Et le temps, ben, j'attends, minute, 6 minutes moins 1. Voilà. Adawa. Il y a la question. C'est bien? Voilà, donc il y a deux méthodes là, soit conductivité, soit concentration, soit x en fonction du temps.